Bienvenue dans les jeudis de Cécile. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Emmanuel de la start-up Ipios. Alors Ipios, c'est une start-up très intéressante. Elle est dans l'intelligence artificielle et elle vous permet à la fois de trouver des innovations très rapidement et de façon, bien entendu, internationale et en même temps, elle vous aide à la décision. Alors Ipios, c'est quoi concrètement ? Alors Ipios, c'est une société qui va aider les managers à trouver des bonnes solutions techniques ou de R&D, à prendre des bonnes décisions quant au management de leur entreprise, de leur usine, et éventuellement même à recruter les talents qui auront trouvé ces solutions. Donc ça veut dire qu'en fait, votre IA va scanner donc des bases de données et en même temps, vous allez vous appuyer sur votre communauté pour trouver des réponses à un problème client. Donnez-nous un exemple. Alors un exemple, on a un client dans le domaine de l'agroalimentaire qui voulait augmenter la DLC, la durée de conservation de ses produits. Ils avaient en tête un changement de recette, des changements de ligne de production qui potentiellement pouvaient leur coûter très cher. Lors de la résolution du sujet, on a un expert, un pâtissier suisse, qui a posé des questions sur l'emballage. Ça leur a paru totalement hors sujet. Finalement, ils ont répondu et la solution achetée a été celle de ce pâtissier qui consistait à augmenter de quelques microns l'emballage en question. Et il se trouve que c'est parce que le pâtissier était un spécialiste de la réglementation européenne qu'il a eu cette idée. Donc ça, cette solution leur a fait économiser des millions et c'était vraiment de loin la meilleure décision à prendre pour eux. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que l'IA va scanner à la fois dans des bases de données, des thèses et des communautés, enfin différents types de bases, eh bien l'ensemble des experts que vous allez vous sélectionner pour pouvoir apporter une solution rapide, peu coûteuse et surtout anonyme, je crois. Ce sont les trois avantages de votre solution ? Exactement. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour ouvrir le sujet. À partir de bases sémantiques, on va trouver des concepts proches. On va ensuite scanner des pages web, trouver les experts, les scorer pour que ça corresponde le mieux. Et effectivement, la solution trouvée, la prime correspondante est fixée par le client. Tout ça dure 3 mois, donc c'est relativement court. Et ça donne des très bons résultats. Merci beaucoup Emmanuel. On retiendra en fait que l'IA décilote les fonctions dans l'entreprise et permet à la fois, par exemple avec cette solution, de faire de l'analyse de la concurrence, de l'aide à la décision, du recrutement si par exemple on recrute le pâtissier qui a proposé cette solution, mais aussi, et bien sûr, trouver de nouvelles innovations de rupture rapidement et avec une cartographie mondiale. Merci. Merci Cécile.